Et bonjour à tous, bienvenue pour la suite de notre aventure et de nos péripéties sur Dark Souls 2. Toujours en compagnie de votre cher et tendre Jolan, du moins je l'espère. Je l'espère que vous me portez dans votre cœur. Donc, où est-ce que nous en sommes? 23 morts, ça n'a pas changé. Petite différence par contre par rapport à la veille, nous étions à 7 succès. Pourquoi? Parce qu'en fait hier on avait débloqué le succès de, qui consistait en fait à défiger la brave dame qui nous bloquait le chemin et surtout à la stuffer. Donc on avait comptabilisé ce succès à la fin du live, j'en avais pris conscience à la fin, donc on était passé de 6 à 7 succès. Mais j'ai repéré après le live qu'il y avait également un 8ème succès que j'avais oublié. Et le 8ème succès, ben, pour vous rappeler à votre bonne mémoire, c'est qu'on a croisé une tête qui était assez bavarde, et qui m'a un peu dragouillé d'ailleurs, et qui à l'issue de tout ça nous a offert un casque. Casque d'ailleurs qu'on a équipé et qu'on utilise. Et bien ce casque, une fois qu'on l'obtient, et ça nous débloque un succès. Donc nous sommes actuellement à 8 succès. Et je tiens également à faire démentir mon cher monteur qui me fait mes petits shorts sur ma chaîne, que je vous invite d'ailleurs à aller consulter et à aller consulter, voilà, qui sont très bien. Il me disait, oui, mais bon, les succès, ça avance pas très vite sur Dark Souls 2, tu fais plus de VOD que tu n'as de succès. Eh bien, faux, puisque nous sommes à présent à notre 7ème VOD, c'est le début de la 7ème VOD, et nous sommes à 8 succès, donc on a plus de succès que de VOD. Donc non seulement il s'est trompé, en plus, je l'avais bien dit, les succès sur Dark Souls 2 mettent du temps à se débloquer, mais ils se débloqueront beaucoup plus rapidement lorsqu'on arrivera à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de succès en fait qui nécessitent du temps de complétion de jeu. Bref, on va relancer la partie, hein, et on parlera de tout ça par la suite. 18 heures de jeu quand même. Donc, où nous en sommes? On avait débloqué l'accès à une nouvelle zone après avoir tué le boss là, du bosquet des chasseurs. Qui était d'ailleurs la zone poison qui m'enchante pas des masses. Mais il y a également une autre partie du bosquet des chasseurs qu'on avait, on avait vu qu'il y avait un autre chemin qu'on n'avait pas encore exploité. Donc je suis curieux d'aller exploiter d'abord cette zone avant d'aller dans un nouveau secteur. Que nous ne connaissons pas du tout. Autant essayer de clean au maximum un secteur avant d'aller ailleurs. Et je pense que prison des morts vivants ou l'abord du pont. Je pense que de l'abord du pont on sera plus proche. On va voir ça. On a 8 fioles d'estus de niveau plus 2. Ouf! Il a réussi à me prendre par derrière. Je savais qu'il était là, mais. Il a quand même réussi à me surprendre, le coquin. Ok, bon, eux sont pas très dangereux, ça va, c'est plutôt tranquille. L'important surtout c'est de pas se faire surprendre et ne pas se faire enchaîner. Ah oui, il y a le papillon de lumière au-dessus et j'ai mon pont là. Vous voyez, c'est le premier pont que je voudrais prendre. Ah! Elle est bien là. Viens là. Je voulais essayer de passer, mais en fait, j'ai le petit bout du pont là qui m'a bloqué. Non, que deux coups. D'accord. Ouh. Je me suis fait un petit peu trancher là. Ah, ce papillon là.
Ah mais attendez, maintenant j'ai pu l'équiper en raccourci mon... Voilà, j'ai l'arbalète. Allez, aucune pitié pour les papillons. C'est fourbe, c'est fragile, c'est foireux. J'avais souvenir que... Ah oui. J'avais souvenir qu'il y avait des mobs justement. Très bien. Oui. Tu fais quoi là? Oh là là, le... Genre je tape pas, et puis quand il se met à taper, c'est quand je tape aussi. Ah ça commence mal, hein, je suis déjà mid-life. Et je crois qu'à partir de là, on avait croisé effectivement... Vous voyez là des... Des mobs qui font très mal. Bah oui, bah c'est où? Faut que j'apprenne leur pattern. Ouais, d'accord. Il fait deux coups. Et on peut l'enchaîner. D'accord. Soit il saute en mode ninja, soit il met deux gros coups. Et il est terminé. Alors ça, ça on connaissait pas ici. Ah oui, mais c'est pas un petit passage. Ok. Ah! Il y en avait un troisième! Il a voulu me troll lui. Alors lui il a un fouet. Trois coups. Attends, y'en a un autre qui arrive là. Ça craint, recule. Voilà, à son tour de mourir. Ok. Bon, heureusement que le mec avec le fouet, on l'a enchaîné assez rapidement, parce que à deux sur moi, ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense. Mais je les vois pas, j'ai l'impression qu'ils tombent d'en haut. Enfin, oui, je vois bien qu'ils tombent d'en haut, mais... Voilà, là, on en voit un au-dessus. Je crois qu'il y en a un autre. Ouais, à mon avis, faut pas avancer trop vite. Et les aggros un par un. Voilà. Y'a rien là, toi. Chacun son tour. En solo, ça passe plutôt bien. Mais juste en solo. Hein. Y'a plus que toi là? Allez, descend, descend, descend. Non, il veut pas lui. Allez! Alors, soit il saute pas, soit il attend que j'ai vraiment avancé pour me prendre par derrière. Mais j'ai peur d'activer un autre mob après. Voilà. Voilà. Ah, qu'un seul coup toi, d'accord. Un. Non, t'en fais pas trois? Un. Oh mais t'es relou toi. Allez, pour la peine, un petit critique. Ça fait toujours du bien par là où ça passe. Et next. Alors maintenant, je suppose qu'ils vont être accrochés au pont. D'ailleurs, on en avait vu, il me semble de mémoire qu'il y en avait plein qui étaient accrochés au pont. Exaltation nécessaire droit devant. Ah oui, c'est que c'est joli, oui. C'est quoi ça là-bas? Il y a un papillon dans le ciel, ça d'accord. Mais j'ai pas souvenir qu'on soit pas... Ah si, c'est là-bas, c'est qu'on a fait descendre le premier pont. Si.
Par contre, le papillon de lumière l'a complètement perdu. Bon, très bien. Très bien, très bien, s'il est bien là. Ok. Lui, il est mort en tombant. Il y a des trous dans ce pont. Mais toujours la base dans ce jeu, ne jamais courir. Ok, lui il est vu. Il n'y en a pas derrière. Il me semblait qu'il y en avait au moins deux ou trois ici. Ok, il s'active pas. Il s'active vraiment pas, d'accord. Il veut pas. Si, si, voilà, c'est qu'on est suffisamment avancé. Ça aussi, c'est bâtard. Et lui, il s'active qu'on l'a tué son copain. Donc, il n'y en avait que deux, visiblement. Ça me paraît pas beaucoup. Hein ? Purgatoire des morts vivants. Nouvelle zone aussi ? Oh non ! Qui c'est lui là ? Un envahisseur mais qui est déjà spawn. Bon, on va le tuer. C'est un gros aboubou lui. Mince, je me bloque dans le décor, mais mon dieu. Il a rien arrivé. Ouh, pouillou, pouillou. Ah, il m'a touché avec la roulade. Ah non, ah non. Pas comme ça. Oh, pas comme ça. Boîte à popo. Ah, il est chaud lui. Mais comment il m'enchaîne ? Ah là 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 ! Ah, il est rapide, violent, il a de la vie. Et visiblement, je l'esquive pas correctement. Et en plus, il y a du chemin à refaire. Ah ! Ce début de life qui va être compliqué. Allez, 24 morts. C'est pas grave, c'est pas grave, on y retourne. C'est aussi ça, Dark Souls. Il est où le pimpin là? Il est plus là? Bah si, il est là. Ok, je me prends un coup gratuit, ça commence. On y va tranquille et tout va bien se passer. Ça, on esquive. J'ai pas aggro. Non, ça va. Ça va, ça va. Oh, il m'a cramé mon endurance. Et le petit là qui vient casser les roubignoles juste après, hein? Bon, ça va, on se stresse pas. Lui il est loin, on s'en fout. Ah oui, on le voit là. C'est que c'est bien fufu quand même dans le noir tout ça. Un seul coup, d'accord. Ah oui. Ah, pourquoi il a pas critique? Et ah, je pensais que j'allais lui faire un critique, mais pas du tout. Je lui ai juste fait une petite tape sur l'épaule, je l'ai poussé en mode, eh oh, je suis là, je suis derrière.
Même mon personnage me troll. Ouais, il est là. Il est là. À mon tour. Ouais, en fait ça va là, faut juste les prendre un par un. Et on se fait pas embêter. Un, deux, que deux coups là, d'accord. J'ai un peu du mal à cerner quand ils vont faire deux coups, trois coups en fait. Ou alors faut que je leur tombe par derrière. Les contourner, ça a l'air de pas plutôt bien marcher aussi. Attendez, parce que j'ai trop de lumière venant de l'extérieur, donc lumière avec jeu dans le noir, évidemment, on n'y voit rien. Bah, il en reste un. C'est bon. Le fouet est pas trop chiant. Et donc là, il en restait plus sauf lui en fait. C'est juste lui qui nous prend par derrière. Ah, mais quoi? Ah! C'est bon. Ah, en me sautant dessus, il m'avait bousillé mon endurance. Donc là, on fait attention aux trous, il y a juste deux petits randoms, rien de bien méchant. Non, il veut pas. Non, il veut vraiment pas. Ah, là, il veut. Allez, c'est l'autre qui se lève maintenant, voilà. Faut juste réussir à activer le script. Allez, purgatoire des morts vivants. Deuxième essai. On prend nos âmes. Ouf. Ah, j'ai pas réussi à le critique, hein. J'étais pourtant bien derrière. Mais le jeu m'a dit non. Je vois plus rien. Ouf, merci, il a reculé. Ah! Bois, 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 bois. Allez, encore un coup, il est mort. Par contre, il m'a fait cramer quand même deux fioles d'estus. Le salaud. C'est passé beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors là, il y a rien. Par contre, là, vous la voyez venir, la morcon encore. Putain. J'aime pas ces sauts, j'aime pas. C'est passé. Graine de feu. Désolé, petit coup de sueur. J'ai cru que j'allais avec la roulette tomber en face. Putain, j'ai... Je viens de mouiller la manette, attendez. Tout va bien, tout va bien. Puis avec les chaleurs, là, vous savez... Ouh. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Essayez, coup de chance, quoi. De toute façon, il y a souvent des boss derrière, c'est... Cachette droit devant. Ok. Bon, allez, surprise, surprise. En même temps, franchement, s'il y a un boss derrière ça, parce qu'il y a quand même pas mal de chemin à refaire, et surtout, là, il y a ce mob rouge qui est quand même assez dur, donc refaire tout ça pour accéder à un boss, ça serait quand même salaud. Allez, voyons voir ce qui nous attend derrière. Un boss? Oh putain, oh non. Qu'est-ce que c'est que ce truc de Satan là encore?
Oh la vache. Ah, y a un trou. Ok, attends. Ok, je vois le genre. En fait, faut se cacher. Très bien, très bien, très bien. Et en plus, il y a une sorcière qui les fait respawn. Oh bah, si c'est pas beau ça. Elle est là. Je vais essayer de récupérer les loot aussi parce que je sais pas du tout si on pourra revenir ici. Donc. Par contre, je sais pas encore du tout comment est-ce qu'on déplace le boss. Hein. Là, y a rien indiqué. Vite! Et je pense que c'est le genre de boss, en fait, si on se cache pas, on se fait OS. Ah, oh, c'est bâtard, ça. Quoi? Je me suis fait toucher, là? Non! Ah! C'était chaud, c'était chaud! Ah, j'ai cru que j'allais me faire toucher avant de boire ma potion. Oh là 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 là! C'était très très chaud! Il me reste 4 fioles. Par contre, je sais pas si je fais bien d'avancer en fait. C'est. Non! Ah! Attendez, mais je... Oh là là! Oh là là! Oh, il y en a combien là? Attends, attends. J'ai quasiment plus de potions. Ça craint, il y a une sorcière qui les fait respawn. Ce qui est très problématique. Allez, on se cache avant qu'ils reviennent. Ah, c'est tendu, hein! C'est vraiment tendu! On se prend une petite gemme de vie, j'en ai en masse de toute manière. Allez, on se cache et après on speedrun. Faut que je tue la sorcière le plus vite possible. Y'a pas de sorcière. Par contre, y'a des squelettes. Relou les squelettes, hein. Ok, elle s'est fait déglinguer, pas suffisamment. Attendez. On achève ça. Ah, j'ai plus que deux fioles, hein. Oh non! Oh non! Alors boire la potion là maintenant, c'était peut-être pas la meilleure idée. Et j'ai pas encore vraiment commencé à affronter le boss, hein, c'est-à-dire. Non, on va d'abord se cacher. Une âme vacillante, très bien. Une autre âme vacillante, très bien.
Elle est là. Elle est là, la garce. C'est bon. Pas de squelette. On est bien. Ça sert à quoi, ça? On va tirer. C'est pour fermer. Oubouyou. Ok, on défonce, c'est ça? Faut taper? Par contre, j'ai... Voilà. Au secours. C'est quoi son pattern? Bordel. Ah, oh, il m'a chargé, le con. Oh non! Oh, il m'a tué! Ah, tout ça pour ça! Ah, c'est vrai que les chevaux, ça donne des coups derrière. Faut pas le contourner, faut se mettre de flanc. Oh là 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 là. Ah, il est chaud, lui. Il est chaud, ce boss. Je pensais pas commencer un live par un boss, surtout comme ça. Bon, allez, c'est une mort honorable. Ça, c'est le type de mort, j'accepte de les rajouter à mon compteur. Je le vis pas trop mal, on va dire. Par contre, faut que j'arrive à revenir jusqu'au boss sans mourir. J'ai oublié. Mais il a pas l'air d'être trop compliqué après le boss une fois qu'on l'a fait tomber. C'est juste qu'avec le stress qu'on connaît pas et avec le passage avant. Faut speedrunner, c'est un peu... En fait, c'est l'effet un peu découverte qui fait qu'on fait un peu n'importe quoi, mais... Il a pas l'air si dur. J'ai confiance pour que ça passe dès le deuxième coup, en fait. Par contre, j'ai de moins en moins de vie, effectivement. Oh, il m'a vu. Je pense pas encore avoir besoin de la... Oh, la feinte. Oui. Ok. Plus d'endurance. Mais mec, moi je peux pas me battre là en fait, c'est pas possible. Ah oui. Ça avait mal commencé, ce combat là. Par contre, il va falloir que je fasse toute la boucle sur le boss aussi pour retrouver mes âmes. Ah, que de coups. C'est bon. Faut essayer de les contourner, ceux-là, mais c'est... Ça se passe pas toujours comme on veut, en fait. Hein. C'est bon, j'en ai aggro que un. Et trois coups de fouet. Un, deux, et deux, trois. À mon tour. Il est où, le troisième? Là-bas. Ouais, on aggro vraiment celui qui est tout au fond. Hein. Un troisième? Non, même pas. Un, deux, et voilà. C'est bon. Oui, il y en a encore un là. Bon, après lui, je sais que je l'aggro pas tout. En fait, je l'aggro que par derrière. Enfin, une fois que je l'ai dépassé. À moins d'un effet troll, normalement ça passe.
Bah, je suis pas censé. Vous voyez, lui, je passe à côté en fait, je l'aggro pas. Il veut forcément me faire une attaque ninja. Voilà. Hein? Non, il fait. D'accord. Allez! Ah, il m'a. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais tape en face de toi! Allez, s'il vous plaît, pas de mort débile. Ah, il vient pas l'autre là? Ça y est. Ah, oh. Il avait bugué, il marchait en marche arrière vers moi. Donc Purgato des morts vivants, est-ce qu'il est encore là l'autre? Ah non, super. Ah, c'est vrai que je vous avoue, j'avais qu'une peur, c'était que l'autre soit à nouveau là. Et vu que c'était un combat qui était un peu tendu. Donc on le tue une fois et puis c'est bon, très bien. Donc autour du chariot, là on a un trou, faut courir. Qu'est-ce qui est casse-couille? C'est les squelettes. Mais tape, qu'est-ce que tu les. Mais je comprends pas pourquoi à des moments il fait des actions en mode non, j'ai pas envie de taper, je me contente de les pousser, mais. Mais quoi? Pourquoi le premier coup t'es dans le vide là? Ça suffit le troll. Hop. On va s'occuper de la sorcière tout de suite là. Qu'elle est. Elle est là. Ça suffit. Oh là là, j'ai tapé dans le mur, mais. Se faire toucher par ce type de mob, quoi, c'est. Il est tout seul, c'est sans danger, mais tu te fais toucher parce que tu donnes un coup dans le mur. Et allez, prochain, là. C'est bon. Ça respawn évidemment. Il y en a combien? Ah là 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 là, c'est pas vrai. Quoi? Mais pourquoi je me suis fait toucher là? Mais j'étais en. Mais quoi? Mais c'est bugué là! J'ai perdu toutes mes âmes parce que le jeu il est bugué qui m'y coupe. Mais c'est illégal là, j'étais dans l'info. Ah non. Alors ça j'aime pas. Ça j'aime pas du tout le jeu. Autant juste avant mort honorable, autant là, la mort buggée, complètement pas méritée. Non, 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 non. La perte des âmes qui vont avec, non, non, c'est pas. Là c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. C'est. Je me fais sanctionner pour rien. C'est très chiant, c'est vraiment très chiant. Et le pire c'est que j'avais le bouclier, j'ai mon bouclier, je suis dans le coin. Et je me fais toucher. Et je devais avoir un paquet d'âmes en plus vu que j'avais touché des âmes là venant d'une sorte de mini boss rouge. Non, je suis. Ah là je suis blasé là. Dans ce genre de moment là. Oh non. Oh non. Oh putain. Non 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 non. Ça y est, ça troll, ça troll. Je
J'imagine même pas le nombre d'âmes que j'ai pu perdre là, de manière débile. Tout se passait bien jusqu'à présent. Allez, contourne-le là. Ah, ça rapporte 1000 d'âmes ces mobs-là en plus. Oh là là, je devais avoir un paquet d'âmes. Ah, je suis désolé, mais je suis pas content là, c'est... Il doit y avoir un X-Spot là qui est complètement buggé. Bon, on y retourne de toute façon, mais... En plus, ce que j'ai dit, c'est vraiment c'est le boss qui demande un tout petit peu de concentration, qui est pas si compliqué que ça. En fait, c'est plus les squelettes qui sont casse-bonbons. Un peu troll en fait, il a un pattern mais il met juste un coup au début en fait. Donc, je vais le laisser mettre son petit coup et aller tout de suite parce qu'autrement après il dodge et il vient chien. Non, tu viens pas là. J'ai activé les deux à la fois cette fois. Bon, retour au boss, mais là la cachette, j'y vais plus en fait, c'est une cachette. Tout à l'heure aussi en fait, à la première run, vous avez peut-être pas fait attention, mais je m'étais fait toucher aussi à cet endroit-là, alors pourtant j'étais bien planqué. J'avais perdu la moitié de ma vie. Mais c'est une zone buggée en fait. Allez! Mais quoi? Mais d'où? Je donne des coups de hache et ça va dans le vent? Attendez, elle est la salope là. Elle, faut lui apprendre la vie. Allez. Ah, c'est là que je me suis fait toucher. Donc là, c'est la zone troll. Là, je recule bien parce que... Hop, ça respawn, parfait. C'est ce qu'on aime. Ta potion vite. Ah, faut que Charo y passe vite là, sinon je vais être en difficulté. Mais stop de m'enchaîner là! Mais mon dieu! Mais je suis bloqué! Je suis bloqué, je peux pas avoir ma potion, je peux pas bouger. Je suis body block. Mais c'est horrible. Mais ce boss est horrible en fait. Je peux rien faire. Je suis body block. Donc je peux pas partir. Mais si je donne un coup de hache, une fois sur deux je touche le mur. Oh. Le boss il est loin quoi, y'a rien qui va, y'a rien qui va.
Encore une fois, le premier try que je sois mort, ok. C'est, je connaissais pas le pattern, j'ai fait des erreurs, ok. Mais le deuxième try, en plus, il se passait bien, bordel. Le jeu, il m'a chié à la gueule au deuxième try, et puis après, voilà. Il y a tout qui va de travers, maintenant. J'ai ma vie comme, qui fond comme neige au soleil, là, ma barre de vie. Ah là, j'ai touché l'arbre. Oh, ah, j'avais peur de toucher l'arbre et que ça rebondisse. Allez. Mon Dieu! Mais non, mais t'as plu, bordel! Putain, je comprends pas, là, je suis derrière, je tape, il donne un coup dans le sol, mais t'es con ou t'es con? Ça suffit! Le jeu qui semble faire exprès de pas répondre aux commandes que je demande, juste pour m'emmerder. Eh bien. Ah, c'est en train de commencer là à me courir sur le haricot. Pattern foireux, ça passe. Lui, on lui laisse faire juste un petit coup de fouet. Voilà. Oh non, il en fait 3. On lui apprend la vie. Et next. Ah, le chemin ça rapporte quand même masse XP hein. Bon, eux ils sont buggés là, faut s'activer à un moment donné les cocos là. Mais bon, à force de faire ce chemin, au bout d'un moment il y aura plus de mobs hein. Bon, on y croit ? J'ai plus de 3/4 de ma barre de vie. Allez! Ah là, je suis body block. Ça y est. Ça commence, les emmerdes là, les conneries. Allez, prends une gemme de vie là. Et après, on va se le sortir. Vas-y, reste au milieu du chemin, t'as tout compris. Hop. Faut juste les tuer au fur et à mesure.
laisse le chariot passer. Pousse-toi. Mais pousse-toi! Aïe aïe aïe! Tout qui me respawn sur la gueule. Allez. Cours, cours, cours. Je regrette. Ok, ils se sont fait renverser. La sorcière de merde. Vite, 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 vite. Elle est où? Elle est là. C'est bon. Normalement, ça respawnera plus, cette saloperie. Ok, normalement, on n'est plus emmerdé. Donc, on boit un coup. Et on troll le boss. On se cache parce que ça se trouve avec l'animation en fait, on va peut-être prendre cher. Si on reste devant. Voilà. Et là. C'est bon. C'est esquivé. Donc on a dit qu'il fallait rester de flanc. Devant ça pue, derrière ça pue. Voilà, deux flancs. Ouf. Pas devant sinon il charge. Il va charger le con. Ouais. Mais voilà. Ah la vengeance. Ah, j'ai au moins perdu 30 ou 40 000 âmes tout à l'heure. Fou. La satisfaction après cette zone trollesque, fou. C'est fait. C'est fait, on l'a eu. GG à moi. Je pense que là c'est la suite, on va récupérer les loot. Il y a le trou. Et une âme, une. Ne lâchez rien. Oui. C'est quoi cette poudre là? Oh, un feu. Oh, si, un feu, c'est que ça va. C'est qu'on est bon, normalement. Ah, bonjour, je vous avais pas vu. On a un nain ici. On a quoi d'autre ? Ah mais c'est... Y'a plus rien après? C'est un cul-de-sac, d'accord. Ah bah là je pense qu'on a clean le bosquet des chasseurs. Mur illusoire droit devant. Ah bon? Ah bon? Mais pas du tout. Pas du tout. What is it? Bon ça c'est pas un terrain de jeu. Attends, t'as eu tout le parcours que j'ai fait là jusqu'à présent? Je pense quand même que j'ai prouvé mon skill. Petit nain de jardin. What is it? Oh. You trouble now. This place won't be any fun. Ah mais il veut vraiment pas me parler? What is it? Ah non, il a... Il doit me falloir quelque chose, je sais pas quoi.
peut passer là de l'autre côté ou c'est un bug? On peut passer. J'ai vu les messages au fond, je me suis dit, ah, peut-être que... Oh, il y a un loot. Orbe d'œil rouge fissuré, on en a ramassé plein tout à l'heure. Il n'y a pas un petit secret? Non, juste un loot. Et un PNJ, je sais pas quoi faire avec lui. Postérieur et donc bras, oui d'accord, ça c'est... Une bêtise encore. Infortune droit devant, donc essayer droite. What? Mais c'est bizarre parce que là franchement, un message qui est approuvé par 4800 personnes... J'ai du mal à me dire qu'il n'y a rien. Bon allez, ma joue là. Et on va level up. Donc on avait dit qu'on voulait de la vigueur, mais on était déjà arrivé à 20. La force, je trouve que j'ai pas mal de force, hein, ça va. Par contre, la vitalité... Pff, avoir un peu plus de vie quand même, hein, c'est pas... On va aller à 30 en vitalité déjà. On sera mieux. Est-ce que je peux l'améliorer, elle? Non. Non, non, non. Bon, est-ce qu'on va dans la zone de poison? Ou est-ce que nous allons dans la fosse? J'ai pas la bague du chat, j'ai bien fait de vérifier ça. Alors attention, on risque d'exciter encore le compteur de mort. Par curiosité, je vais voir si j'ai activé une nouvelle flamme là sur la carte. Non, je suis toujours à 2. Hein. Ok. Ok, ok, on est à 2. Ça n'a pas changé. Eh bien, direction la fosse. Hein. Avec une maniabilité aux fraises. C'est ça qui est bon. Mais j'ai pris cher. Pour vie aura par ailleurs attention au saut. Ouais d'accord, super. Gemme de vie radieuse. Ok. Ouh, beaucoup de morts ici. Beaucoup, beaucoup de morts. Pierre de saut de Pharos. Ok. Ah oui, ce saut il semble... Attendez, faut trouver une astuce. Est-ce que j'ai besoin de faire plus de dégâts tout de suite? Non, on est juste en train de sauter. Donc il me faut la bague qui me donne plus de vie. Voilà. Ah voilà, j'ai plus de vie. On va reboire un petit coup. Parce que franchement, s'il n'y a pas un feu une fois qu'on est en bas, ce serait bâtard. Et en fait, je pense qu'il faut sauter sur la poutre là.
Parce qu'il leur faut sauter au fond. Ah! La poutre troll, évidemment, la poutre troll, j'aurais dû vérifier comment les gens étaient morts ici. La poutre troll, tout va bien, tout va bien. Aïe 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 aïe. Ça, franchement, c'est le piège pour te prank. Hein. Tu dis, je vais la jouer safe. Je vais la jouer safe. Et non. Non, non, même si tu la joues safe, tu te fais baiser. Il fallait bien au moins une mort. Bon, en gros, faut passer en face, quoi. Ah! Je savais pas s'il fallait courir ou pas. Non, alors les poutres, la foireuse, j'y touche plus, je sais que ça pue. On va reboire un coup. Voilà. Voilà. Et donc là, si j'étais passé là, ça me permet d'aller encore plus en profondeur. Mais écoutez, on va d'abord regarder par là. Hein. Je voudrais trouver un petit feu pour éviter d'avoir... On est dans la tombe des saints. Ok. Oh, c'est pas beau, ça. Une sorte de tête de gobelin, là. Oh, bah, y'a un feu. Y'a un feu, voilà. C'est tout ce qu'on voulait. Un feu. Alors, j'ai l'anneau qui me régène de la vie, j'ai l'anneau qui me donne plus d'âme, le saut, et ok. Donc en gros, j'ai perdu l'anneau qui me donnait du DPS, c'est l'anneau qui me régène mon endurance plus vite. Pas le choix. Ou alors, faut que je me retransforme en humain. Bon, on verra plus tard. Donc maintenant qu'on a un feu, avant d'aller dans la tombe des saints, de rentrer dans cette tête de gobelin, parce que ça, me dites pas que c'est un rocher naturel, hein. Je n'y crois pas un instant. On va voir ce qu'il y a plus bas. Ah ouais, mais je crois que je peux plus passer plus bas. Si je cours, je vais me faire baiser. Peut-être que la poutre est solide. On y croit. Ah! Bon bah voilà. La mort débile. Encore une. Encore une. Sniff sniff. Ah c'est... C'est des morts un petit peu moins épiques. Hein. Bon, ça pour sûr. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas alimenté notre compteur de mort comme ça, là, ça... Là, ça y va, hein. Ça y va. Oh, et là, je meurs. La chute est trop violente. Oh, aïe, aïe, aïe. Allez, encore une mort épique. Eh ben, on est à 30, ça y est. Ça y est, ça y est, on y est. Bon, j'ai compris, en passant par là, c'est pas possible. Donc, il faut que je reparte de tout en haut si je veux aller sur le côté. J'ai pas le choix. Thank you.
Moi qui pensais qu'on avait besoin de descendre qu'une seule fois. Que nenni, que nenni. Pour commencer. Allez, là on prend cher, mais c'est obligatoire. Là ça va, là ça va. C'est là où c'est un peu plus... On a dit qu'on fallait pas courir. Hein. Voilà, oui, mais on court pas, c'est quand même juste. Hein. On reboit un petit coup. Donc là, on descend là. Ouf, ouf, ouf. Allez, on reboit. Et on peut encore descendre plus bas, hein. C'est possible. Mais je veux voir ce qu'il y a là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'ouvre, hein, j'espère. Oh non, j'ai fait tout ça pour ça? Pour qu'on me dise après coup que c'est verrouillé? Sur le coup, quand j'ai commencé à me jeter, je me suis dit non, mais ça, c'est le genre de plateforme bâtard qui va se casser. Non, ça va. Ça va, ça va. Alors, ok. Anneau de l'œil maléfique, très bien. Et ensuite... Ah oui, j'ai cru que... j'ai cru qu'il n'y avait pas de sortie. Si, 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 si. C'est bon, c'est bon. Doucement. Doucement. Os du retour, ok, donc l'os du retour, c'est en fait c'est un TP qui nous ramène au dernier feu visité, il me semble. Mais là, il y a un chemin, donc on va pas faire un os du retour. Il y a un chemin et plein de morts. Ouais, donc ce sont des mecs qui ont dû mourir en tombant dans le vide, d'accord. Pas de piège ? Message droit devant en bref cheval. Ok, il y a un cheval ici. Essayez message. Message droit devant, mais d'accord. Ah, par contre, il y a la petite bestiole là qui me donne de la titanite. Ouais, mais ça sent le troll. Trésor droit devant. Pas de mob à droite ou à gauche, très bien. Voilà. On ramasse. Ok, en dessous ça pue. Ouais, d'accord, je le vois. En plus, il y a un mob. Ça pue l'arène en dessous si on tombe. Et de toute manière, vu qu'il n'y a pas d'autre chemin, c'est qu'il faut descendre. Mais il faut que j'arrive à aller en face. Parce que j'ai quand même un loot à récupérer en face. Oh, vous y croyez? On a la confiance là? Ah, j'ai même pas vu le trésor. Bac d'armure cendrée. Ah, le saut là il va être compliqué. Oh. Ça saute ça, vraiment. Pff, j'ai même pas sauté, super. Allez, viens là, toi. Ok. Alors, j'allais dire, je m'attendais à pire, mais en même temps, je viens de me faire troller, là, tout va bien. Et yes! Ça, c'est le genre de mort qu'on aime. Super, merci. Donc, oui, c'était pas si terrible, mais en fait, c'était quand même bien merdique. Hein. C'était bien merdique. Et donc, faut refaire toute la fosse. Oh là là là. Mais quel naïf je fus de croire que j'avais besoin de descendre qu'une seule fois et qu'après c'était tranquille. Mais quel naïf! Ouh, je croyais que j'allais tomber à côté.
on ne court pas et ça passe. Voilà. Faut reboire. Donc là on sait qu'il n'y a pas besoin de courir et que ça se casse pas. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon, ça va nous permettre de retenter là, le petit saut foireux pour avoir le loot. Qui en plus sera très probablement un loot nul. Ça va de soi. Oh là là. Récupérer les âmes. Faut juste taper avant qu'il saute. Rien de plus. Ah si, j'ai vu un mob au fond. Donc oui, la technique en fait, c'est faut surtout pas se mettre en mode défensif face à eux. Je vois que dalle, je vois que dalle. Et j'ai vu qu'il y avait un mob en face. Il y a aussi un loot à récupérer. Soin majeur, ok. Bon, je crois que lui, il est pas si pire. Ouais, c'est ça. C'est un petit lent, on le prend par derrière, un petit critique. Et il arrête de faire le plaisantin. Trésor Oura, comment ils sont morts? Ah non, je voulais regarder la tache de sang. Pas un piège, hein. Poussière d'os sublime, super. Je vais pouvoir améliorer ma fiole d'estus. C'est bizarre ça quand même, hein. Ça sent la saloperie qui arrive par devant normalement, mais bon. On va pas se plaindre, hein. Anneau de rouge facilite la détection des ennemis. Ok, je rejette. On va reprendre ça. Normalement, on n'a pas besoin de sauter tout de suite. On n'a pas besoin de sauter. Ah, ce petit loot là, par contre, pour l'obtenir, ça paraît chaud, chaud, chaud. Oh décor, un suicidaire. Genre de mec qui tenait pas à la vie. Eh ben, moi je m'attendais à remonter là. Mais pas du tout. Ok, il y a un loot en face, on va aller le chercher. Ah oui, ça, il sait pas escalader, le mec. Il sait pas faire. Ah, j'ai plus ma bague du chat. Une effigie humaine. Attendez, on va reprendre la bague du chat, là, quand même. Hein, c'est... c'est pas la peine de se faire des dégâts gratuits. Ah non, je suis obligé de prendre l'échelle. Bah, on prend l'échelle. Pas de soucis, pas de stress. Une gemme de vie. Ensuite, on a encore une échelle. Par ici, d'accord. Et on descend jusqu'où, là, comme ça? Ah oui, c'est après on peut plus remonter. Très bien. Donc là c'est le traquenard. Oh, le petit coffre qui paraît trop gratuit, ça s'appuie la mimique. Après il n'y a pas de mort ici.
Est-ce que vous voyez des dents? Pas l'impression. Marque de malveillance. Super. Ah, c'est rassurant tout ça. Hey, la bague de DPS. Ah bah tiens. Ça y est, ils spawnent tous là, les messages et les morts. Ok, il y a encore beaucoup de morts là. Comment ils sont morts? Oh, j'entends des bruits, on dirait une sorte de gros battement de cœur bizarre. Ils sont morts par derrière. Mais what? Ah, c'est bourré là, dégueulasse. Mais on y voit rien. Je crois que de mémoire ça crache du poison, c'est merde, donc ça expliquerait d'ailleurs toutes les morts. Et là, va falloir des bras zéro hein, pour y voir clair. Le dépotoir. Oh, quel joli nom. Oh putain. Je me suis fait cracher à la gueule. Y'a un truc qui m'a craché à la gueule. Pas mal là. Ah, je suppose qu'il faut descendre. Comment il est mort le petit là? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ouais, il a dû tomber après. Il se passe quoi ici? Il se passe quoi? Oh, désolé, hein, j'y vais doucement, mais je vois tellement rien que. Donc faut pas descendre là, c'est. Ouais, ça sent pas bon là, on est d'accord. C'est où le chemin? Faut que je reprenne ma bague du chat, c'est ça? Ouh, j'ai failli aller dans le petit trou à côté. Vision de cheval, en bref, comme dans un rêve. Ok, je sais pas ce que c'est que ce truc dégueulasse. Non mais genre faut que je saute là? Vous êtes sérieux là? Une bague du chat. En fait je vais être obligé de la garder cette bague. Hein. Oh! Ça passe. Putain j'ai... Ah c'est dégueulasse ici. C'est dégueulasse. Alors, genre, il y a du poison là-dedans. Non. Potentiellement, ça pourrait me péter à la gueule aussi, c'est possible ça. Une gemme de vie. Un feu derrière moi! Attendez, qu'il n'y ait pas un trou. Voilà, vous voyez? Ouais, il y a un trou là. Un feu, un feu! Bon, ben, ça fait beaucoup de nouvelles zones à explorer, là. Le côté là où il y a les gobelins, la tombe des saints, le dépotoir, où on voit, mais alors, ah, rien. Il y a le petit loot là, est-ce que je retente d'essayer de le choper ou pas? Parce qu'il faut que je redescende tout en bas de la fosse, et après, si je fail, il faut que je revienne jusqu'ici au niveau du dépotoir. Oh, ça va être chiant, pour un loot en plus qui en vaut peut-être pas la peine. Par contre... On a dit qu'on avait, qu'on pouvait upgrader la fiole d'Estus. Donc ça, on va le faire tout de suite.
Ah non, c'est pas... c'est un upgrade, mais c'est pas que j'ai une fiole d'astuce en plus, c'est que je vais avoir une fiole d'astuce plus efficace. C'est ça, poussière de sublime. Et donc elle est à plus 3. Elle régénérera mieux ma vie, ça c'est très bien. C'est très très bien, j'ai pas assez d'âme pour level up. Je vais lui faire tous ces dialogues à cette dame. Hello again. How have you been? I finally tracked down my teacher. But I've decided to keep at it alone. Une autodidacte, très bien. I need to see what I can achieve by myself. Elle a retrouvé son maître, mais finalement elle s'en fout, elle préfère apprendre toute seule et blablabla. Master Kurian and I are from Malfia to the south, a land lush with sorcery and pyromancy. Master Kurian polished his art at one of our renowned magic academies. But he argued that the academies were terrible places to learn magic. This quite angered Master Glocken, my previous teacher. Once Master Kurian spoke excitedly of this land. He made talk of the remnants of some great power and the deep abyss that surrounds it. I tried to ask more, but he didn't seem to hear. Oh, I'll never be good enough, will I? Ouais, pas très intéressant. Le maître en gros qui dit, faut... bon, on apprend mieux sur le terrain que ce qu'à l'école, gna gna, faut partir à l'aventure. It was a perilous trek across the mountains. I faced the most frightful things. The number of times I nearly died. I finally tracked down my teacher. Ça, tu nous l'as dit. To... Ok, bah, je pense qu'il y a de la reddit. Juste avant, elle nous disait qu'elle a failli mourir plus d'une fois. Et pour cause, on lui a sauvé la vie en plus. Et elle avait été pétrifiée auparavant. From... Ok, ça tourne en boucle. Plus rien d'intéressant. Bon, faut se décider. Où est-ce qu'on part? Ah bah il est là le vieux! On l'avait cherché hier. Oh, so you finally decided to join us. Let us resume our exploration of sorcery. Ils vont quoi d'intéressant? Oh, des trucs de mage quoi. Des trucs de mage. Les forces de magie et de souls lient dormant dans ce land. C'est un lieu fitting place pour hold mes sorceries. Je suspecte que je peux même conjurer de nouveaux spells ici. La sorcerie est encore un mystère, même pour moi. Laissez-nous mature ensemble, yum yum. Ok, visiblement, je suis devenu son jeune disciple. Il veut apprendre de nouveaux sorts. Bah. On va travailler ensemble. Bon, enfin, apprendre. Il va me vendre ses sorts, évidemment. Capitaliste, hein. Use scrolls to unleash the power of sorceries. But the power of each scroll is reliant on that of its owner. The untrained cannot wield a scroll to its proper potential. Never forget, young people, there are no shortcuts to mastery. I sense a dark power in you. Something akin to sorcery, only more primordial. I wish to find out more about it, but as we see, this place is in ruins. Just what happened here? Ouais, bon, on s'en fout, on s'en fout. Sorcery was created long, long ago. Some say it was originated by the great pale being. But we've no way of knowing if
such claims are true. Many sorceries were lost over the ages. Before pyromancy, there were fire sorceries, but they are long forgotten. Sorcery and pyromancy thrive in Melfia. I've spent much time there, trying to perfect my art. But staying was a mistake. The fools there had no interest in truth. Their ambitions were paltry, and their smiles cloying. I was sick to the back teeth of their petty squabbles. There was nothing for me in that forsaken land. Ah, pour qui aime le lore, là vous pouvez être ravis. So the girl's been here too. I'm glad to see her safe, whatever that's worth. Par contre, son apprenti l'appelait la fille en mode pff, j'en ai rien à foutre d'elle, sympa. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. Ah, je crois qu'il nous l'a déjà dit ça. Oh ouais, là c'est. Il tourne en boucle. Il m'a dit tout ce qu'il avait à me dire. Donc, la zone de poison qu'on a découvert hier, après le bosquet des chasseurs, où. Le dépotoir, qui a l'air bien hard et où on n'y voit rien, et où il y a du poison aussi. Donc ça fait deux zones de poison, génial. Ou la tombe des saints, qui du coup n'aura peut-être pas de poison. Donc tonton, une zone sans poison. C'est le pire, le poison. Ah, c'est ça, c'était la vallée des récoltes, d'accord. La tombe des saints qu'on a découvert. Et le dépotoir. Il y en a des zones, hein. Il y en a des zones. Il y a du contenu dans ce jeu. Et on n'a pas encore abordé les DLC. Bon bah va pour la tombe des saints. Voyons voir s'il y a du poison aussi. La bague du chat, j'espère ne plus en avoir besoin. On prend la bague de DPS. Et donc là, bah, je suis pas pressé de redescendre. C'est vrai qu'il y a un loot qui me donne envie, mais... Je sens que je vais le faire plusieurs fois et donc ça va me prendre beaucoup de temps avant de réussir à l'avoir. Donc j'ai vraiment pas le courage. C'est toi qui rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Arrête de rigoler. Il allait me prendre par derrière, j'en suis sûr. Ah, ils disent que c'était un ami ? Bon, en tout cas, tout est obscur hein, ici. Ça, en même temps, vous allez me dire, on est passé dans une fosse. Putain, je me fais agresser par une mouche là, qu'est-ce que c'est bordel. On est dans une fosse donc. Faut pas s'attendre à avoir beaucoup de lumière. Attaque dans le dos, génial. Ah, mais je pense que c'est lui en fait. C'est les mobs, ils sont en mode on en a rien à foutre de toi, mais. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être des sortes de chiens, enfin ce sont des rats, oui, je sais. Ce sont des rats, mais ils ont l'air de se comporter comme des chiens en moins réactifs, donc ça va. Après j'ai envie de dire le but du jeu c'est de pas se faire encercler. Et oui je voulais dire, faut toujours se méfier des mobs là, même s'ils ont l'impression. T'as l'impression qu'ils s'occupent pas de toi. Et qu'ils sont pas bien dangereux. Je suis sûr qu'à un moment donné, on passe une zone, ça les trigger. Et ils nous prennent par derrière quoi, c'est vraiment le coup à se faire avoir.
que droit devant, mais en droit exigu. Ouais, mais je peux pas m'accroupir. Ouais, ça passe pas par là. Ça ne passe pas. Une grande dame, super. Ok. Bon, je suppose qu'on va monter par en haut et qu'on va redescendre dedans, puisque je peux pas passer. Vu que je ne sais pas escalader un muret. Bah next hein. Y'a quoi là? Y'a un peu de lumière au moins, c'est généreux. Ouh les rats. Vous voyez, c'est pas du tout réactif en fait, ça va au contact. Donc je pense que c'est vraiment le type de mob en fait, faut être le premier à taper tout simplement. Vision derrière, oui, bon, lui je l'ai vu. Une petite pierre douce et soyeuse, x3. Donc 3 petites pierres douces et soyeuses. Utiliser une pierre de saut de Pharos. Non, parce que je pense que ça servira à rien ici. Par contre, je pense que là, une pierre de Pharos, ça va faire baisser le pont. Non. Je veux pas utiliser une pierre de Pharos, je vais lire le message. Endroit exigu, droit devant, donc vision de queue. Qu'est-ce qu'ils ont avec les queues ici? Ah oui. Ah oui. Bourgeois, oura, ouais. C'est quoi le traquenard là? Des rats à gauche, il n'y en a pas à droite. Il me tombe dessus! Mais c'est dégueulasse! J'ai encore un pont à faire descendre là. Il y a beaucoup de ponts à descendre. Mais des pierres de Pharos, j'en ai pas 150 000 là en fait. Donc, Ah. Je me disais que j'avais entendu un bruit. Ok. Là, il y a l'air d'avoir un chemin. De l'autre côté, ça donne quoi? Oh, bah, il y a même un brouillard. Donc, il y a même peut-être un boss. Et on a un feu. Et un rat. Oui, bah voilà, bon, il y a un feu juste avant un brouillard. Ah, c'est peut-être qu'il y a un truc un peu méchant derrière. Est-ce qu'on est pressé de faire à nouveau un boss? Est-ce que c'est vraiment le délire? Il y a encore un rat? Le bout du bon sang. Bon après généralement c'est vrai que soit il n'y a pas de rats du tout, soit il y a beaucoup de rats généralement, hein. Soit ils sont... Ils se stackent ensemble les rats normalement. Donc là je suppose que ça fait un peu moins boss ici. Ah il y a un loot. Genre j'ai un loot gratuit là. Regardez ça, regardez ouais. Ils attendent que je prenne le loot pour me foncer sur la gueule, j'en suis sûr. Boss du retour. Non? Non, sérieusement, y'a.
Attention mon hunter. On tente de faire descendre ce pont là. Encore des rats. Mais bordel, bordel. Bon, il y a l'air d'avoir un loot derrière. J'ai combien de pierres de Pharos? La vraie question est là. J'en ai 3. Bon, normalement, on va dire que ça fait descendre le pont. C'est ce qui paraît être le plus logique. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, j'ai encore des rats qui vont me tomber dessus, comme d'hab. Y'a que de ça ici. Murmure désespérant et une torche. Très bien. Ah, mais si, y'a des rats là. Fail. Ah mais c'est des rats C'est des rats statues ou pétrifiés. Ah, je l'ai pas one shot lui. Bon bah là on a le pont du bas. Mais on va pas utiliser deux pierres de Pharos pour redescendre, ça sert à rien. On fera le tour. Toxique. Ouais, il y avait pas grand chose d'intéressant, hein. J'ai pas l'impression en tout cas. Essayez piège. Ah bon, il y a un piège? Bon, bah c'était pas foufou. Ah putain, il m'a fait peur l'allié. Par contre, on va pas activer ce pont. Hein. Ça servira absolument à rien. Si je l'active, je vais cramer une pierre de Pharos. Et on est bien d'accord, hein, ça me ramène là. Hein. Donc c'est sans intérêt. C'est absolument sans intérêt. Bon, je vois venir, on faut aller au boss, c'est ça. Le boss, le boss, le boss. C'est une VOD boss aujourd'hui. Et là, on redescend. Mais j'avais pas oublié. Attends, il n'y avait pas un deuxième passage que j'ai peut-être oublié. Donc là on a dit que ça m'amenait effectivement au même endroit, donc ça sert à rien de l'activer. Là c'est là d'où j'arrive. Et là-bas peut-être. Ah non, c'est à l'échelle. Donc non, on a tout vu. On a tout vu. Et bien direction le boss. Quoique boss. En fait, elle est en face de moi la zone. Il y a plein de flaques de sang. Ouais. Boss, mini boss. On va voir. On va voir ce que c'est tout ça. Est-ce que je vais dépenser mes âmes? J'en ai que 5000. Je peux même pas faire un level up. Pas très intéressant. Au niveau des bagues, j'ai quoi? J'ai la bague de DPS. J'ai l'anneau de lien. Est-ce que je peux équiper un meilleur bougou par hasard? Alors lui est pas mal, mais je serai trop lourd. Ah, lui aussi il est potentiellement pas mal, mais je suis trop lourd à un poil de fesses. 70,4%.
Est-ce que je vais farmer le peu d'âmes qu'il me faut pour pouvoir équiper ce bouclier? Lui, il est pas génial. Hein. Le bouclier de l'aile dorée, il a l'air joli, mais pas super. Allez, on se fait un petit farm et après le boss. Que je puisse équiper mon bout. On va aller farmer un endroit où j'ai vu que ça rapportait pas mal d'XP finalement tout à l'heure. Tout à l'heure où on était. Refuge des morts vivants, c'était là? Ou à bord du pont? Non, je crois que c'était à bord du pont. Non. C'est juste pour pouvoir prendre mon bouclier. Ça permettra d'avoir un bouclier en plus un peu plus sympa et stylé. Parce que là, bon, le bouclier blanc... Alors certes, il a été fort pratique depuis le début. Mais vraiment... C'était pas très design. Faut que je puisse être joli. Et il m'a touché. Le saligo. C'est eux là qui rapportent de l'XP. Il a essayé de me troll, mais c'est fail. J'ai toujours ma bague ouais, qui me rapporte plus d'âme. Alors lui par contre en fait il a un pattern qui est un peu différent des autres. Faut que je m'en méfie. Ah bon. Ok, bah là il m'a fait un coup moi aussi. Tant pis pour lui. Parce que généralement il troll un peu en fait. Ouais, par contre, si je farm pour pouvoir porter mon bouclier, c'est qu'il va falloir que j'augmente ma vigueur. Donc on va dépasser les 20 de vigueur. Bon, après, ça vaut quand même le coup. Écoutez, je vais avoir un beau bout. T'as qu'un seul, ok, si tu veux. Allez, essaye de me faire un petit coup de pied de ninja. Et le dernier qui nous prend par derrière. Mets ton petit coup de fouet là. Ok. Bon. Il devait lui rester un ou deux PV. Il se fait achever par la chute. Ça me va. Allez, random là. Levez-vous. Gratuit là. Bon,
Eux, ils rapportent que Pouic, par contre. Inintéressant au complet. Je sais pas trop comment fonctionne la physique. Il y a des moments qu'on voit les cadavres bouger. C'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais lui faire un critique pour pouvoir l'enchaîner, mais pas du tout. Le casse-bonbon, voilà, terminé. Il y a le mob qui fait son shooting. Laissons-le tranquille. Ça rapporte que dalle, ça. Une ceinture de prisonnier. Je t'avais pas oublié, toi. Aussi, il rapporte rien. Il n'y a pas des mobs là qui. En fait, lui, je pense que je lui fais peur. C'est pas tant qu'il fait un footing. Bonjour. Ok, GG toi. Je pense surtout que je lui fais peur au mob. Il est en mode non, je veux vivre, je ne suis pas un méchant. Ouais, il y a encore une petite heure de live. Après, il faudra que. Je parte et que je vous laisse. Parce que j'ai des obligations qui me mènent à l'extérieur. Bon, les squelettes là, ça rapporte quelque chose ou pas? Les jets maudits. Ah, il me restait plus qu'un petit pourcent avant que je me fasse maudire. Et je sais pas ce qui se passe quand on est maudit. Genre la mort instant. Ah, je serais assez bâtard pour ça en fait. 121. Ça rapporte que dalle. Il y a le petit là qui m'a fait sa roulade pour me faire une approche un peu stylée. Mais ça l'a pas empêché de se prendre son coup et... Et de mourir de manière pathétique. Aïe. Et je pense que je les ai tous faits. Allez, rentrons à Majula. Espérons que j'ai de quoi faire un level up pour monter ma vigueur. Et que nous puissions avoir un joli boubou. Et surtout un boubou plus efficace. C'est un 2 en 1. Elle est où? Ah. Allez, dis-moi que ça passe, s'il te plaît. Oh, il m'en fallait que 11 000, parfait. Ben on a 10 vigueurs.
Et la vigueur, c'est pas du tout déconnant, je suis en train de me dire, la vigueur, ça m'augmente ma résistance au poison. Et ma défense physique aussi. Ah, c'est super utile, c'est pas uniquement le fait que je puisse porter plus de poids. Ah, mais faut que je up la vigueur en fait avant d'aller au dépotoir et dans la ferme aux récoltes ou un truc comme ça là. C'est... Je serais plus à l'aise. Alors, est-ce que c'est suffisant? Dis-moi que oui, s'il te plaît. 69%, parfait. Bah, on est bon. Regardez ça, j'ai un joli boubou avec une rose. C'est stylé. À la lumière, on le verra mieux. Et donc, je peux faire mes roulades. Voilà, sans être ralenti. Bon bah, on est plutôt pas mal. Je dis qu'on est bon pour un boss. J'accepte. Je vais lui acheter là, ça, des merdes, ça me permettra de dépenser mes âmes, hein, d'éviter de les perdre. Ah mais ça se trouve je les ai peut-être déjà. Ah non, ça marquait si j'en possède déjà. Et eux je les possède pas. Allez, j'achète. Je suis généreux, je suis sympa. 1873. Ah bah je vais prendre les gants et la tête. Et elle m'avait raconté sa vie ou pas? Rien de très intéressant. Rien de très intéressant. Elle nous parle de pierre, mais à chaque fois avec un morceau de squelette. Les squelettes, c'est pas de la pierre. You know how they call this place Drang Lake, right? Well, in the old lore, in stories and the like, they said it had another name. What was it? Well, I don't know. It's just something I heard. Since long, long ago, many kingdoms have risen and fallen. This very spot, each like a great flame that turns to soot. Maybe that's why people don't remember much about the past. You see that blacksmith over there? Is he one of those hollows? He seems to keep eyeing me up. He sort of looks like my father. He's a blacksmith too, you see. Such a worrywart. But he wouldn't follow me out there, would he? Ah, mais je suis en train de me dire au tout début du jeu là, effectivement, le forgeron il avait pas dit qu'il cherchait sa fille ou qu'il avait perdu sa fille. Donc, effectivement, ça pourrait être son père. Et maintenant, vu qu'elle nous dit que c'est peut-être ça, qu'il ressemble à une carcasse, c'est vrai qu'en fait, c'est peut-être un mec qui est mort, qui est devenu une carcasse et qui cherche à retrouver sa fille. I was born in a land to the west, Bulgan, famous for its merchants. There were great, bustling cities. But for me, they were suffocating. And so I set out, in search of stones in faraway lands.
There are dangers, for certain. But I much prefer to live this way. But for the life of me, I can't remember how I ended up here. It's as if I were drawn to the place, or lured in. Oh, I don't know. These stones may look all the same. Bon, elle nous apprenait que le forgeron n'arrête pas de la reluquer. Alors au début, j'ai cru que c'est parce qu'il était pervers, mais en fait non. En fait, il y a fort à parier que le forgeron, c'est son père. Mais c'est vrai que maintenant qu'on nous le dit, il a une tête dégueulasse. Hein. Il a une tête périmée, un peu comme la mienne, hein, finalement. Voilà, moi la mienne, là, elle est cachée. Oh genre, il commence à s'inquiéter. Alors, est-ce que tu vas nous parler de ta fille? Ouais, d'accord. Ah, si, c'est sa fille! Just as oblivious as she's always been. Well, at least now I can keep an eye on her. Donc il a reconnu que c'était sa fille, mais elle, elle reconnaît pas que c'est son père. Elle a un léger doute, mais elle y croit pas trop. Ok. Stones, try asking my daughter. You might be surprised. Drat. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear? You'll need souls to repair any mind. Okay, that's what I did. Ah, je peux renforcer ma hache. Mais il me faut encore 1550 dames. Ah. Le jeu qui me pousse à farm encore. Eh bien, allons chercher nos 1550 dames. Vite, vite. Bon, après, c'est pas grand chose. Mais vu que j'ai un éclat de titanite, ce serait dommage de le garder dans ma poche et de pas le consommer. Donc. Rapporte que dalle. Vite, vite. Allons voir les gros mobs en haut. Ou lui. Pas assez. Hop là. Ça c'est gratuit, c'est pas cher. Allez, soit ça se passe bien, soit c'est un petit rect. Ah, j'ai touché l'arbre. Putain. Bon, c'est pas grave, j'ai mis 1500, je me casse. Ça passe par là? Ouais. Et en plus sans prendre de dégâts. Ah, je sais, j'essaie de retarder l'inévitable avant le boss. Oh, I'd give you...
Allez, on renforce tout ça. On passe de 248 à 263. Bon allez, j'ai mon bouclier, j'ai upé ma hache. Il faut que j'arrête de fuir et que j'assume mon destin. Tombe des saints. Mais finalement la tombe des saints c'est tout petit petit hein. Si c'est le boss final et qu'il n'y a plus rien après c'était minuscule ridicule. J'ai 66 gemmes de vie. Frappe multiple nécessaire droit devant. D'accord. Attention, réduire en bouillie et donc essayer Estoc. Hein ? Vous êtes prêts ? Bien sûr que vous êtes prêts, vous attendez que ça. Vous attendez qu'une seule chose, vous. C'est de voir ce compteur de mort s'exciter à nouveau, hein ? Je vous vois venir, je m'en doute. Allez, ça va le faire. Terra. Faut juste pas se faire prendre en surmenage. Putain, mais on a combien là? Mais avant, je l'ai. Aïe aïe. Alors, avant j'arrivais à aller OS. Maintenant, j'arrive plus à aller OS. Et en plus, il y en a beaucoup. Ah! Je l'ai pas tout shoot. Passe. Pousse-toi! Vite! Bouge, bouge, bouge! Attends, mais y en a. Ça spawn pendant combien de temps là? En fait, c'est pas un boss, c'est un boss troll. Oh là là, le coup gratuit là. Ok, là j'ai un boss maintenant. Ou j'en sais rien, mais j'ai un boss. Je suis au bout du bloc. Poussez-vous! Il est où le boss? Hi. À moins que le boss se spawn quand j'ai tué tous les rats. Oh là là. Ok. Il a décidé de donner un coup de merde au lieu de taper. Olé, olé, olé. Bois ta potion, vite, vite, vite. Faut que je reboive encore. Ça va, je consomme là. Mais ça spawn à l'infini, c'est pas possible. Il y a un truc à faire que j'ai pas compris là. Je l'ai pas tué ? Empoisonné. Alors attendez, il y en a combien là de rats foireux à tuer? Et visiblement quand il me touche, ça me donne une sorte de poison, mais c'est un poison en fait qui OS. Donc si je suis full empoisonné, c'est pas tant sur mes PV qui sont importants. C'est si je me fais enchaîner de 3-4 coups là, ça me OS. Donc faut que je fasse gaffe à pas me faire enchaîner. C'est ça le danger. J'aimerais bien savoir combien il y a de rats à la con là. Ah
Eh oui, mais il me faut monter une barre, c'est salopio. Oh là là, pourquoi je jouais pas? En plus, j'ai up mash. Après, ils sont pas très rapides. Mais ouais, ils ont une sorte de barre d'empoisonnement foireuse là. Ce qui me rend perplexe, c'est qu'il y a une barre de vie de boss, je comprends pas. Ouh, je me suis fait empoisonner. En fait, faut juste que je mette un coup parce qu'autrement, je me fais enchaîner. Avant de se faire body block. On laisse la barre d'empoisonnement redescendre, tranquille. Ça me respawn dans le cul, je bouge. Bon, faut juste rester bien mobile. Ah, ça y est! Oui, en fait, c'est ça. La barre de vie, c'est simplement. Faut tuer tous les rats. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ou alors, faut tuer certains rats. Parce que quand j'en tue d'autres, ça fait rien du tout. Il doit y avoir des rats VIP. Ok, fail. Mais... Bon, faut tuer lesquels là? Oh, te du. Alors, je vois qu'il y en a qui ont des crêtes. On va essayer de se concentrer sur les rats avec des crêtes. Parce qu'on vient de le voir, là, en fait. J'ai beau en tuer, ça respawn. Mais tout à l'heure, je me suis mis à en tuer certains, et j'ai vu la barre de vie descendre. Attendez. Compteur de mort. Donc, faut réussir à identifier les rats qui correspondent à la vie du boss. Faut juste comprendre, en fait, le point faible. C'est pas si méchant que ça, ce... J'avais peur de me faire bloquer. Putain, lui, il voulait vraiment mieux qu'elle le cul, lui aussi. Mais bordel, je mets deux coups et le deuxième coup il part, je sais pas où. Allez. Ok, donc là,
on a les rats à crête qui vont apparaître, parce que là on a bien vu en fait ils ont aucune crête ces rats. Donc il faut trouver. Ah ben là c'est un rat à crête. C'est ça, faut les tuer. Ah non mais il y en a qu'un seul en fait rat à crête. J'ai compris, il y a le roi des rats. Avant-garde du roi rat, enfin okay. Le comme vous voulez. Faut juste que je le réidentifie. Il est où? Ah par contre il est planqué dans la masse le salaud. Oh non! Ah c'est lui qui m'enchaîne. Bon j'ai compris, en fait faut pas tous les tuer parce que j'en finirai jamais. Faut en tuer un certain nombre, il y a le boss qui spawn, en fait il a une crête. C'est un rat punk. Et une fois qu'on a eu le rat punk, il a pas beaucoup de vie en fait, hein, ça va plutôt bien. Le vrai souci c'est que... Ben, on peut se faire enchaîner. On peut se faire enchaîner avec lui. Bon c'est bon, j'ai compris, je pense que c'est le dernier try là. Il est tout seul. Alors, il est tout seul par contre. Ça, c'est pas le bon endroit pour boire. Voilà. En fait, ils sont tellement ras de terre que j'ai du mal à les enchaîner. Il y a la moitié de mes coups qui passent au-dessus. Oh, et hey, oh. Pas vrai, ça. Ok, je te vois. Putain, il lui restait qu'un seul coup. Mais pourquoi je me suis fait OS, là? C'est une horreur. C'est une horreur, ce boss. En fait, d'un seul coup, il y a une sorte de poison ou je sais pas quoi là qui. Ça marque, vous êtes empoisonné. Et c'est one shot. One shot. Y a pas une bague contre le poison par hasard? C'est pas de la pétrification qu'ils me font en fait. Attendez, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est pas un empoisonnement en fait qui me tue à petit feu, c'est vraiment un empoisonnement qui me one-shot. Oh non, j'ai tapé à côté, Boudjou. Dieu, c'est chiant ça. Ok. T'as pas voulu taper, libre à toi. On va peut-être boire là par contre. C'est peut-être le moment. Et on va se dégager de ce traquenard. Un petit coup de hache. Ça l'a pas tué, c'est pas grave. Il est trop loin, c'est pas grave. Oh là là, les one shot là.
Allez, endurance, forêt gêne. Il m'a bien touché lui. On se casse, on boit un coup. Le boss est là. Faut juste le trouver. Il est où? Ah, je le vois. Ok, il m'a fait une attaque de merde, s'il veut. Il est tout seul avec moi. Oh mon dieu! Ah non, c'est que c'est un poison qui fait super mal en fait. Non, c'est pas du tout de la pétrification, c'est qu'il fait super mal ce mob. Eh, je crois que c'est le boss sur lequel je suis le plus mort. Je le vis bien. Je crois qu'on était à 21 ou 23 morts en début de live. Bon, la bague, c'est de la merde. Il me faudrait une bague contre le poison. En fait, tout tourne autour du poison à présent. J'aurais dû faire investir en vigueur plutôt. Régène d'endurance. Hop, deux pour le prix d'un. On se casse avant d'être body block. Voilà. Voilà. Hop, deux pour le prix d'un. J'aime ça. Ouh, ce coup de merde. Boss est apparu, je sais pas où il est. Il est là. Voilà, je lui fais prendre cher. Il m'a empoisonné le salaud. Il a un empoisonnement qui picote sacrément en fait. Hein. Boss là, il est là. Putain, c'est bon, il n'y a pas. Ah, je croyais qu'il n'y avait pas de rat. Putain, je l'ai pas one shot, mais on se casse. J'arrive à y accéder et je pense que 3 coups encore sur lui ça passe. Il est ouf. Oh aïe aïe, je me fais bouffer le cul. Allez bois. Il est là. Bon, ils ont failli leur coup, c'est très bien pour moi. Ça aurait pu se passer beaucoup plus mal. Encore 2 coups et ça passe. 2 coups. Il m'a bouffé. Non! Non, il lui restait 2 PV! Putain, mais je fais que crever comme ça en fait. C'est quoi ces morts ridicules où j'ai ma vie qui fond comme neige au soleil quoi. C'est, j'ai l'impression que je me fais one shot, je comprends pas. Le truc, il est quasiment mort. Je me dis, allez, j'enchaîne 2 coups. Même pas. Je me prends un vieil empoisonnement, mais tout à l'heure j'ai eu un empoisonnement, j'ai survécu. Ça m'a cramé ma vie, mais elle a pas despawn comme ça d'un coup.
Ok, je tape dans le vide. Vas-y. Allez. Allez, faites-moi spoil votre boss là. Il est où votre boss là? Je l'attends. Oula, attendez, on va se heal. S'il vous plaît. Ok, le boss arrive. Merde, ça n'a pas one shot. Et lui non plus. Oh putain. Je vais me faire body block. Faut que je me casse. Allez, bois un coup au cas où pour sécurité. Oh, ça n'a pas one shot non plus. Où est le boss? Il est en face. Allez, on lui met un coup, on lui apprend la vie, un autre coup, et c'est le fail. Oh là là, j'ai essayé de mettre un deuxième coup, j'ai fait deux fails. Un coup dans le vide et un coup en mode. Il a tapé, je sais pas comment, je sais pas ce qu'il a fait. On va régène. Ça se passe pas trop mal. Il s'est isolé. Yes. Oh, presque trop simple. Non, rentrez pas comme ça, vous. Espèce de bâtard. Je vais tous vous crever. Bon, bah, écoutez. On en chie sur 10 tries. Enfin, je les ai pas comptés. Et puis là, d'un coup, il y a le boss qui s'isole. J'arrive à l'enchaîner et tout ce qui se passe bien. Voilà. L'alignement des planètes a fait que ça s'est bien passé. Et bah voilà, c'est tout ce qu'on attendait. Très cher, je sais pas pourquoi. Et quoi là? T'es quoi? T'es un ami en fait toi? Ami droit devant, donc par mon. Ouais, on va peut-être pas le tuer. On sait rien. Après, j'ai éradiqué toute son espèce, là, et son espèce de roi, donc. On va en laisser un pour faire office d'exemple. Il faut un témoin du carnage que j'ai dû réaliser. Pour squelette, hurrah. Ah oui, et ça me ramène sur la place qu'on avait vue tout à l'heure. Je pouvais pas passer. Une pierre de saut de Pharos, très bien. Oh non, c'est encore un jeu du saut. Oh là 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 là, j'aime pas ça. Vous êtes chiant, il y a que des sauts là en ce moment. Ça se passe bien pour le moment. Il n'y a pas l'air d'avoir de saut trop compliqué. Ah, et ça me ramène. Ah, d'accord, je comprends. Je sais où ça me ramène. C'est la suite du chemin. Ouais, alors la tombe. C'était le tombeau du singe, je crois. En fait, c'est une zone qui est toute petite avec les rats. Et juste en dessous, ça nous ramène à l'entrée de la fosse. Vous savez où il y a les mecs qui explosent tout en bas? Et le loot là, que je sais pas comment obtenir, qui est super chaud à obtenir. Pierre de saignement. Ah mais là, j'ai envie de dire, c'est qui tout double. Hein. Si je saute comme ça... Soit ça passe et c'est ok, soit je fail et je perds mes âmes. Non, on va pas prendre de risque, j'ai trop d'âmes sur moi. Je joue pas au plus malin.
Il a pas sauté encore ce Kono. Hop. Ah, après, si je tape trop tôt, je fais une boule. C'est bon. Un papillon ardent. Bon bah retour à la fosse. Hein. Et le mob qui était là, on peut le tuer qu'une seule fois, c'est ça? Ouais. Ok, ok. Bon, on va explorer... enfin, retour à la fosse. Retour... surtout au dépotoir. Je pense que notre prochaine zone, ce sera le dépotoir. Où il y a du poison, et en plus on n'y voit rien. Par contre là je vais full upgrade la vigueur. Putain ce son là, c'est... On a l'impression qu'il y a une sorte de vieux cœur visqueux qui bat ou je sais pas quoi, enfin c'est... m'a craché dessus. Ça y est, je suis empoisonné en plus. Putain, mais ça me fait fondre ma vie à une vitesse. Oh, je crois que globalement ça me one shot en fait. Hein. Ça me crame une barre de vie entière. Voire même plus. Attendez, ça se trouve on peut des... Je vais pas prendre de risque, je sais qu'en passant par là, ça marche. En plus, j'ai mon petit feu, donc on va... Là on a les marques de sang. YOLO. Le trou que j'ai failli me prendre. Et on y est. Allez, direction Majula, on va se mettre un peu plus de résistance. Un peu plus de résistance au poison. Oh, tu me parles? Ah, faut d'abord que tu te lèves. Très bien, très bien. Et je suis en train de me dire, mais j'ai vaincu un boss, mais il m'a rien donné de foufou. J'ai eu aucun loot qui soit digne de ce nom. Oh, je peux faire que deux level up? Oh là là, ça devient cher les levels. Mais je croyais que ça m'augmentait ma résistance au poison, mais pas du tout. Ou pas systématiquement alors. Bon, on va mettre 30 en vitalité alors. Et on va augmenter un peu la vigueur. Au moins jusqu'au prochain cap où ça va augmenter ma résistance au poison. Ouais non, j'ai pas eu de fragments de fiole d'estus. Il n'y a rien à brûler. Ah non, c'est vraiment le boss en fait qui m'a rien rapporté. Le boss optionnel par excellence. C'était la tombe des saints. Tout petit. Tout petit cette zone. Voilà le dépotoir. Et ben go le dépotoir. Allons-y rigoler un peu. Parce que c'est ça qu'on aime. Le dépotoir.
Donnez-moi un instant. J'ai un petit truc à faire là sur le PC. Et on va repartir illico presto, pas de soucis. Où est mon chat? Ah oui, il est bientôt 19h, mais pas encore. Pas encore, pas encore. Et hop, on est bon, je suis de retour. Donc, une zone bien dégueulasse, une zone avec du poison, et une zone où on n'y voit rien. Là, comme ça, j'ai le combo parfait. Et une zone avec des trous. Bon, de toute manière, on va pas jouer au con. Ça, c'est un bras zéro, on est d'accord. Hein. Oui, c'est un bras zéro. Forcément. Donc, on va cramer un papillon de lumière. Papillon ardent, on en a 7. C'est fait pour. Et on allume. Eh non, ça s'allume pas. Et merde. Vous êtes sérieux? C'est pas des bras zéro qui s'allument ça? Oups, j'étais dans les menus. J'arrivais pas à taper, tu m'étonnes. Ah, lui il s'allume. C'est vachement étrange pour le coup que lui je puisse pas l'allumer, ça doit être un bug. Oh bah si, je peux l'allumer, bah voilà. Faut pas troller les gens comme ça là. Attention, trou. Quel trou? Ok. Ouais, donc en plus, je peux même plus revenir au feu, je suis en train de me dire là où je suis. Y'a pas une. D'où tu viens toi? Je t'ai pas tué? J'ai encore l'anneau du chat. Oui, j'ai l'anneau du chat. Je m'en fous de l'anneau du chat. Je veux l'anneau DPS moi maintenant. Ah mais attendez, je me suis baisé là en fait. J'ai pas d'échelle pour monter. Ah si, il y a une zone en face. Non, me dites pas que vous voulez que je saute. Oh les enflures, faut que je saute là. Oh punaise. Et on n'y voit rien évidemment. J'aurais dû. Ah bah. Quoi, déjà? On est déjà sur un boss là en face? Vous êtes sérieux? Encerclé, oui. Bon, je pense qu'il doit se passer un truc si j'allume tous les bras zéro là. Là si, un bras zéro allumé. Et quoi là? Y'a quoi? Y'a quoi? J'aime pas ça. Des statues qui crachent du poison. On adore ça. Ouf! Elle m'a craché à la gueule, la salope. Ok. Là, il y a une porte. Quoi? Ça a craché au travers de la porte. C'est verrouillé. Ok, donc il me faut une clé.
Et il y a des statues qui crachent du poison à travers la porte. Logique, logique. Saut droit devant. Pourquoi sauter? Vous êtes fou? Eh, parce que j'ai pas le choix de toute manière. Ah si, il y a un pont là. Un pont où je saute. Allez, YOLO. Ah! Le troll était pas loin. J'entends des saloperies. Bon, je recrame un papillon de lumière là ou pas? Je fais tout le chemin, j'essaie de revenir et... Oh là là, descendre, je vois Kodal. Il y a un truc qui fait du bruit en plus. Putain, je trouve que c'était un trou. Il y a pas de mob? Il y a rien. C'est un peu beaucoup trop trop calme. Un peu trop pas assez calme. Là, il y a beaucoup de morts, on se demande bien pourquoi. Eh, hey, j'ai mon beau boubou, vous allez me dire. Eh, hey, le chat qui fait un petit miaulement là de Satan aussi. Ça, je suis sûr que c'est les saloperies de poison, ça. Ça a craché une merde, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est dangereux. Alors, c'était pas vert, par contre, mais... C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça fait mal. On va pas toucher à ces jarres, je sais pas trop si c'est dangereux ou pas. Flamme noire de pyromancie, résine de pain pourri, ok, là y'a rien d'intéressant. Genre je peux aller plus loin. Ouais non, après ça y'a plus rien. On va aller à l'échelle. Du jeu, c'était de remonter vu qu'on était descendu. Y'a quoi là? C'est quoi la prochaine arnaque? Putain, 18h23 en plus, faut que je me dépêche. Ok, c'était quoi ce coup de. Putain! En fait, faut que je fasse un parcours là en clignant tout, en y voyant que dalle, et après faut que je revienne avec la torche. J'ai tout éclairé. Ah, le piège de bâtard. Ouh. C'était traître. Bonjour. Vas-y, fais ta prière du dimanche. Il se bat là. Pourquoi? Titanite, ça c'est bien. Effigie humaine. Pierre douce et soyeuse, ça je sais pas à quoi ça sert. Pierre douce et soyeuse. Attention de pas tomber, là ça pue. Branche ancienne embaumante, ça c'est pour défiger un mec, ça c'est cool. C'est très cool. Et alors là? Une âme. Bon.
là, on a un feu allumé. Ouh, mon feu, il est en face. Genre, faudrait que je fasse ce saut là. Vous êtes fous. Jamais de la vie. Ça, c'est un quoi? Tomber! Oh! Heureusement que j'ai le réflexe d'avoir le bouclier sur moi. C'est bâtard, ça. Regardez-moi ça. Saloperie. Aïe, aïe, aïe. Mais là on est d'accord, hein, je redescends, donc ça me sert à rien d'aller là. Il faudrait que j'aille en face, mais je pourrais jamais sauter. C'est trop loin. Il est où le chemin? J'ai raté une échelle ou un truc comme ça? Il est où le chemin? Vous déconnez, il n'y a plus de chemin? Ils veulent vraiment que je saute en fait? Non, non, non. Ah, j'ai peut-être trouvé. Faut que je descende là. Ouais. Encore des statues de merde. Ok, il y a des saloperies qui vont descendre de là, très bien. Pas très dangereux, mais ça te prend en traite si tu t'y attends pas. Voilà. Y a pas l'air d'en avoir d'autres. Ouh. Lui qui sort de la nuit, je l'avais pas vu du tout. Ok. Oh, je sais pas d'où il est tombé. Il pleut des mobs. Des mobs suicidaires. En même temps, vivre ici, pète ta vie de merde. Hein. Il va y avoir une sorte de bestiole en face. Y'a quoi là? Une statue qui empoisonne. Un coffre qui paraît trop beau pour être vrai. Je vois pas dedans. Non, ça a l'air d'être cool. C'est un vrai coffre. C'est ce qu'on aime. Bombe incendiaire. Très bien. Et c'est tout. Il a l'air d'avoir un chemin au-dessus, mais je sais pas comment on y accède. Ouais. Moué. Donc j'ai dit qu'on voyait un mob en face. Que je... Ah, il y a un truc derrière. Non, c'est un joueur. Et là, il y a le mob de merde qui fait super mal. Ok, faut se laisser taper. Il a de la vie, hein, il a de la vie. Bon, il a pas l'air d'avoir un pattern par contre trop compliqué. En fait, faut juste le laisser s'énerver un peu. Et taper après. Aïe 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 aïe. Ouh. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Il y a un truc qui m'a craché dessus encore. Je sais même pas d'où. Je sais pas trop où je vais là, j'y vais. À faire des tournicotis dans tous les sens, on se perd un peu, hein. C'est pas de là que je viens? J'étais passé par un pont juste avant. Bah, on va vite le savoir parce que c'était un cul-de-sac après. Non, je crois pas que ce soit de là que je viens.
Putain, mais ça me ramène au boss, là. Tout à l'heure, j'étais à côté... Ouh, mais je vois plein de torches derrière. Mais d'où venez-vous? Une torche? Calme. Calme. Une torche. Là-bas, j'ai mon feu à moi, là. Comment j'y vais? Je peux sauter, là? Oh là 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 là. Saut de la foi, là. Allez, j'ai que 5000 âmes, c'est pas grave. Allez, go. Oh yes! Je me fais encercler. Bon, c'est des petits mobs, ça va, ça va, ça va. Ceinture de prisonnier, il y en a encore un. Kunai empoisonné. Des statues de merde. C'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Oh! Après, ma grande surprise, il m'a pas vraiment fait peur en fait. Mais je croyais que j'allais me rapprocher de mon feu, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai pas une échelle, j'ai rien. Ah si, il y a l'air d'avoir un chemin là. Un chemin qui pue comme d'hab. Mais il y a un chemin. Avec des torches allumées, des saloperies qui empoisonnent. Toujours. Hop, elles m'ont pas tiré dessus. Et ça me ramène à mon feu. Parfait. Donc normalement, le chemin est clean. J'allume la torche et on refait tout ça. On allume partout. On allume tout partout partout. Et par contre, j'étais pas allé en face parce que j'étais tombé tout de suite. On va y voir un petit peu mieux là quand même. 18h33, allez, faut que je rush. Faut sauter comme ça. Et voici que le jour fut. Dieu créa la lumière. C'est quand même mieux hein, quand on y voit clair. Beaucoup mieux. J'entends bien, j'ai tout allumé là, mais ça a rien fait spawn du tout. Encerclé, ouais, mais en fait ça sert à rien. C'est juste pour le style. Ah, ça fait un cercle. Allez, YOLO. Eh, les morceaux de charcuterie là. Oui, c'était par là, c'était par là. J'espère juste qu'il n'y aura pas une autre plateforme à la con qui s'effondre quelque part là, ça c'est... Ce serait vraiment le pire. Par contre la zone elle paye pas du tout, hein. On a eu que 6000 âmes. Vraiment pas grand chose. Bon après c'est plutôt des petits mobs de merde, hein, mais...
Heureusement, vous allez me dire, parce que vu qu'on n'y voit rien, c'est serré, qu'il y a du poison. Et le problème, c'est que ça paye pas. Allez, allez, on aime tout, la vie dit vite. Et après, faut que je parte. VOD sans pause, quand même. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas un bras zéro allumé de l'autre côté. En fait, il n'y avait que des statues qui... Je sais pas trop en quoi elles me gênaient en plus. C'est plus clair hein, qu'on a la torche. Le problème c'est que on se bat moins bien avec en fait donc. Oh il en restait un. Il en restait un. Allez viens avec Coco. Oh, j'étais pas passé là. Et là, il y a un chemin? Non. Non, 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 c'est pas du tout un chemin, ça. Ça, c'est la mort qui m'attend. Là, vous voyez, il devait y avoir un moyen, à mon avis, on doit pouvoir venir d'en haut. Et on doit descendre par là. Parce que comme il n'y a pas d'échelle, qu'il n'y a rien. Ah non! Je voulais allumer. Voilà. Et ensuite on grimpe. Il y a un truc en face aussi. Hein. Ouais, il y a des mobs là, qui descendent de cet endroit-là. Et donc là, ça m'amène vers le boss. Et j'avais fait quoi? J'avais sauté en face, c'est ça? Ah mais je vois encore moins bien à distance. Où est-ce que j'avais sauté en fait? Je sais plus. Son loot était passé au travers du sol. Tout ça pour une torche. Est-ce que par hasard, j'ai un bras zéro allumé en face? Ou pas? Non. Et j'ai pas spécialement envie d'aller plus loin parce que si ça me fait tomber ou qu'il y a... Ça pue encore l'arnaque tout ça donc... On ira plus tard. Je vais essayer de revenir à mon feu là parce qu'il est 18h39. J'ai une vie IRL moi. Ok, c'est là que j'avais sauté. C'est là. Et c'est le drame. Oh le troll, putain. C'est passé crème tout à l'heure et là j'ai l'impression que j'étais à perpète. Oh nom de Dieu. Bon attendez parce que vu qu'on a un éclairage, je vais essayer de rusher. Pour récupérer mes âmes quand même quoi, il faut que je récupère mes âmes. Je dois récupérer mes âmes. À moins que par là ce soit un raccourci. Parce qu'en fait j'arrive par cette zone.
Si, si, c'est un raccourci en fait, je sais où je suis. Ça va me permettre de gagner du temps à mort. Trop bien, très bien. Le chat qui me fait peur, Boudou. Je suis tellement tendu du string. Il passe juste à côté de moi en faisant un petit couinement, mais. Mais quand on est en axe, on est en axe. Hein. Putain, d'où t'arrives, toi? Et là, je suis en train de me faire chier juste pour 5000 âmes. Ce qui représente quasiment que dalle maintenant. Donc, est-ce que je descends par là? Ouh, oui. Mais quittez-toi. Ou est-ce que par là c'est plus safe? Voilà. Raté. Mais jamais de la vie je le fais ce saut. En fait, faut que je fasse tout le tour. Hein. Putain. Punis, punis. Alors, je peux quand même skip un passage. Ah oui. Faut que je fasse gaffe à ces statues qui en respawn aussi. Merde, il pleut des mobs, j'avais oublié. C'est surtout tout à l'heure, lui, quand il a sauté dans le vide, donc... C'était pas trop gênant. Mais il m'a fait mal. Allez, on va jouer safe, on a 8 fioles d'estus, on va boire. Ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Il y a le gros mob en face, là, on s'en occupe. Eh bien... Non, je vais pas me battre sur un pont. Ouais, debout. C'est bien. Putain, je l'avais pas tué. Yes, je me suis fait empoisonner. Ok. Putain. Yeah. L'empoisonnement, ça c'est fait. Bordel. Bon, donc on a dit qu'il fallait sauter. Tout droit là. Par contre, il va falloir allumer la torche aussi. On va essayer de sauter bien droit. Là. Là, ça passe large, c'est ok. Ouais, c'est ce que je me disais, il y en avait 4 de mémoire. Il y a la salope qui va sortir de l'eau. On va d'abord allumer le bras zéro. Voilà. Comme ça, la salope qui sort de l'eau, je peux m'en occuper avec mon boubou. Et voilà. Donc là on a rien, je pense que bah là par contre
Il doit y avoir un moyen d'arriver par ce côté-là, vu qu'on peut pas sauter. Et là, on revient au feu. On revient au feu et on va être bon. Ok, bah... On a fait le tour. On a tout illuminé. Et là, c'est le passage qui me ramène directement à la fin. Ouais, c'est ça. Et ça me donne accès à rien de plus. Juste un raccourci. Ok. Bon bah c'est mieux maintenant qu'on a mis quelques torches. Alors c'est pas foufou, faut quand même toujours faire un peu attention. Mais on est pas mal. Allez let's go là, faut que je rush, j'ai vraiment pas le temps, je suis désolé. Direction Majula pour la conclusion, je dois enchaîner. De toute manière on pourra pas faire de level up, j'ai clairement pas assez d'âmes. Donc je vais vous laisser là, on a fait quand même deux boss, hein. On a eu un boss au début où je me suis fait troller, on a eu le boss d'Hera, je dirais pas que je me suis fait troller mais je me suis fait un peu enchaîner quand même, jusqu'au moment où c'est passé, et puis c'est déjà quand même pas mal, c'est déjà pas mal. On a pu améliorer notre fiole d'Estus, et on a découvert plein de nouvelles zones. Donc ça nous réserve plein de belles choses pour la suite, pour les prochains lives. Donc je vous laisse là, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, et à très vite, soit pour une autre VOD, soit pour un autre live. Ciao à tous.